pretend? Where's a good place to begin? Let's start with the truth, cause it gets you in the end. Hanging the past out to dry, stringing up all of your regrets. No matter how hard you try, they blow round in the breeze, through the branches in your head, but still through the leaves, the wind keeps blowing. So don't leave me hanging. Helpful friend, who's waiting there at the end? He catches you unaware with I told you so and the spirit of the stairs. Now that it all seems so clear, you can analyze from down here those bits you'd rather forget. Count them down and lay them all to rest. Cause still through those leaves, the wind keeps blowing. So don't leave me hanging. I'm coming for you. I'm coming for you. Just leave me hanging in.
Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Franck Sauzet pour suivre ce match de championnat avec vous. Real Madrid, une équipe qui reste sur une bonne opération, elle s'était imposée à l'extérieur contre l'Espagnol. Une victoire 1-0 avec sûrement une deuxième consécutive aujourd'hui. L'équipe à domicile, donc voici la composition choisie par l'entraîneur. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. Jesse Rodriguez. Lopez. Il faut le tirer. Titi. Rafael Varane. Tchaïchev. Il s'avance vers la surface. Oh, quelle occasion! Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. On voit sur ces images que le joueur a tenté un geste difficile. Le gardien était bien fermé quand même. Une petite feinte de tir n'aurait pas été de trop. L'équipe qui a aligné son nouvel attaquant. Ouais, c'est un match tant attendu par les supporters. Ils vont enfin voir cette nouvelle recrue à l'œuvre. Et le milieu de terrain qui découvre enfin sa nouvelle équipe sur le terrain, sur la pelouse. Et on a beaucoup parlé de son transfert. Maintenant, il faut voir ce que ça peut donner dans les faits. Lopez, René Krin, Piti, Mateo Kovacic, David Fekir, Kerstin Ramirez, ça s'accroche, El Arabi, les joueurs à domicile qui vont presser maintenant. Nouvelle tactique est demandée par l'entraîneur. Marquez. Le drapeau s'est levé, il a déclenché son appel de balle à un petit poteau. Gaston Ramirez. L'arbitre qui réfléchit, est-ce qu'il va sortir carton? Oh, ça me paraît sévère, mais l'arbitre va donner le carton jaune. Et si vous voulez mon avis, c'est même très sévère, Hervé. Ce sera donc un coup franc suite à ce tacle, peut-être trop appuyé aux yeux de l'arbitre. Ouais, l'arbitre a sifflé sur ce tacle, on revoit le geste au ralenti. Kovacic, et le gardien qui remporte son duel. Être sous pression avec ce corner qui est concédé. Et ce sera un nouveau corner. Aucun souci pour la défense. El Arabi. Touche en faveur du Real Madrid. Rafael Varane. David Fekir. Miguel Lopez. Thank you.
Henri Götze. Récupéré par l'adversaire. Les deux joueurs à la lutte. Miguel Lopez. Il récupère ce ballon dans notre jeu. Il peut aller au bout. Nabil Fekir. J'ai bien cru que le joueur avait fait le plus dur en réussissant à se démarquer. Ça paraissait bien parti en effet, mais il a échoué dans le dernier geste. Ouais, à toi, à moi, ça circule bien. Et dans la surface, le centre. Ramirez, il a choisi la frappe et ce sera finalement une sortie de but. Oh, c'est le pressing à tout va maintenant. Ah, l'équipe à domicile veut gêner l'adversaire dans la construction. On est clean. Babin. Il est à la récupération au milieu de terrain. Robert Pérez. Centré. Donc on va donner ce centre. Elle va pouvoir relancer maintenant, c'est parfaitement fait. Et c'est Rodriguez. Mario Götze qui a du soutien. Nabil Fekir. René Krin. Robin Pérez. Et il récupère le ballon, heureusement, parce qu'il y avait danger. Nabil Fekir. C'est Rodriguez. Et le ballon qui change de camp. Magnifique. Nabil Fekir. Mateo Kovacic. Gaston Ramirez. Et l'arbitre. Et c'est parti pour la seconde période de ce match ici à Santiago Bernabéu. Nabil Fekir. L'arbitre accorde donc un coup franc au merengue du Real. Mateo Kovacic. Attention, la frappe. Et le gardien qui est sur ce ballon. Et c'est un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester dans le match encore. Et devant leur public. Il décide de presser. L'objectif est clair, c'est d'étouffer l'adversaire. Et but du Real Madrid. On voit toute la joie du défenseur après ce but. C'est vrai qu'en football moderne, Hervé, il y a de plus en plus de défenseurs qui n'hésitent pas à monter.